Salut à tous, c'est NotFounds. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo de Pi-Man. C'est un petit jeu qu'on trouve sur le net. Voilà, c'est un petit jeu très court, de 5 minutes. Donc là, en fait, on va jouer à deux. Salut tout le monde. Ouais, donc je suis avec Julien. Donc celui qui va commander Pi-Man, qu'on voit à l'écran, et moi je vais tirer. Donc en fait, le but du jeu, c'est d'uriner sur l'adversaire. Sur des boss, il y en a trois, le jeu est très court. Un boss quoi. C'est un boss ouais. en 4 parties en fait. Donc cette première partie est très facile. C'est un peu compliqué. Ouais. Donc il y a notre vie à gauche, c'est le Pi Power, c'est notre réserve quoi. Et donc quand il est rempli, ça active un pouvoir spécial pour si vous montrez. Bah je vais économiser un peu. Ouais. Et donc c'est un jeu plutôt marrant. Et donc il est très facile à trouver, peut-être plus mal sur le net. C'est simple. Et c'est gratuit. Voilà. Alors comme vous avez pu le voir, on passe à côté des immeubles où des gens nous tendent des carafes. Des carafes avec de l'urine dedans. Voilà. Donc des petites. Et des petites ou des grosses. Malheureusement, on peut pas aller plus bas que là où on est actuellement. Petit bug du jeu. Mais bon, pas trop de jeu. Le jeu est très facile. Hein. Il dure 5 minutes. Ouais. On va essayer de gagner quand même. Hein. Ouais. Okay. Donc là, on a notre réserve en match. Donc on va montrer. Voilà le pouvoir spécial. Donc là, on va pouvoir défoncer. Défoncer le premier. Là, c'est la deuxième partie. Comme vous pouvez le voir, c'est un sort de poisson rouge qui nous commande une espèce de vaisseau. Ah, on aurait pas dit qu'on n'ose pas, on va faire moins ça. Donc là, c'est la troisième partie, donc c'est le plus difficile, je pense. Enfin, pas le début, plutôt vers quand il est énervé. Parce que là, encore, ça va être lorsque des boules plutôt lentement. Donc là, il faut éviter ces quêtes. Ouais. Vaut mieux essayer d'économiser. Enfin, d'attendre pour tirer et d'économiser notre Pi Power pour le prochain boss qui va être très rapide. C'est parti. Prochaine partie qui va être rapide. Non, ça peut parler sans. Qui va être rapide. Et dont ils font beaucoup de réserves. Donc là, on est à max, tu peux commencer à tirer. Ouais. Vas-y. C'est parti. Mais tire pas au mauvais moment, tu vois. Non. Voilà. C'est bon quoi. Je me suis repoussé dessus. C'est le mot. Prends la grosse. C'est bon, merci. Ah! Là, il commence à bouger. Rapidement. Et je suis le fait exprès. Le disque bleu. Donc quand même, Pi-Man, c'est un jeu assez connu. On peut le voir à droite, c'est quand même 2000 personnes qui ont joué. Sachant que c'est pas le seul site où on peut y jouer. Donc franchement, c'est un jeu qui... Enfin, on peut dire que ça... Il faut qu'on le joue en plus, là. On peut pas dire que ça vaut le détour, mais bon. Tout le monde l'a au moins essayé une fois. Non. Enfin, oui. Pas compris. Bon, là, dès qu'il arrive, tu le défends. Ok, c'est bon. Là, il va s'enfuir. Donc, il n'a pas du tout de vie, mais il faut quand même lui enlever. Oh là là, on a tué. Bon, bah, on l'a donc, il est mort et on a fini le jeu. Voilà, c'est un jeu très court. Donc, un jeu de 4 minutes, super. Le petit générique qui est franchement pas terrible. Génial le générique. Ouais, ça. Je sais pas si vous avez remarqué, je monte un peu le son. La musique est assez bien durant le jeu. Bien. Même là, on l'entend, il est plutôt bien. Ouais, elle est super. Pour un petit jeu comme ça, là. Ouais. Hop, sur ta gueule. Et voilà. Donc voilà, c'était Pi-Man. C'était les NotFounds. Bah. On se retrouve pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Allez, abonnez-vous et laissez des commentaires et tout. Ciao.